Sí. Y digo, bueno. Sí, sí. Ahora lo que puedo. Bona tarda a tothom. Comencem ja. Gràcies per haver vingut a tots els que esteu aquí a la sala. Espero que em sentiu bé. Agrair també a la Gàlia Ackermann, que ve des de París per explicar la seva experiència, i al Vladimir Txerkov, que ve de Lugano, a Suïssa, per explicar sobre Txernòbil i el que han treballat durant aquests anys. Dir-vos com farem tot l'acte, jo explicaré una mica, només dic a la Fundació, encara hi ha l'exposició, que si després la voleu passar a veure, us l'ensenyarem, sobre el 25è aniversari de l'explosió nuclear a Txernòbil, que a més del recull, que aquesta exposició fa 5 anys va estar al CCCB, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, la seva comissària va ser la Galina Ackermann i els textos que hi ha a l'exposició són seus. També hi va participar el Vladimir i... La Gàlia voldria tornar a la gestió de la catàstrofe de Txernòbil per saber quins esforços es necessiten per una catàstrofe tan gran. Com Vladimir l'ha dit, sur 5 anys hi ha eu 1 milió de persones, 1 milió en total, qui han treballat en tant que liquidateur a Txernòbil. Com ha dit Vladimir, a Txernòbil durant 5 anys un milió de persones han treballat com a liquidadors sobre el lloc de la central. Maintenant, Vladimir a parlé de l'éventualité d'une explosion nucléaire. C'est vrai, mais c'était une seule raison pour tous ces travaux. Et il y avait des travaux spécifiques pour empêcher qu'il se produise une explosion nucléaire possible. Ce qu'on voit dans le film, on creuse un tunnel sous le réacteur, sous la dalle du réacteur, pour empêcher le contact avec la Terre. Donc, comme a dit Vladimir, il y a l'éventualité, la possibilité qu'il y ait une explosion nucléaire. I això va motivar tots els treballs que es van fer. Deien que fins al 8 de maig hi havia un perill molt gran d'explosió. Però també hi havia altres treballs que eren necessaris i llavors es veu a la pel·lícula que estan fent un túnel sota el forjat de la central per evitar el contacte entre el combustible i el terra. No ho hem aconseguit del tot perquè tenim un territori de 160.000 km quadrats contaminat. Hi ha 8 a 9 milions de persones, on n'a pas de statistiques, qui vivent dans ce qu'on peut appeler le Tchernobyl Land, c'est-à-dire des terres qui sont durablement contaminées par le césium-137. Ce césium-137 a une durée de vie, ce qu'on appelle la période, c'est-à-dire... La demi-vie de césium, c'est 35 ans. Ce qui veut dire que d'ici 10 ans, il y aura encore la moitié du césium qui a été déposé dans la Terre, qui va être toujours là. Et après, encore 35 ans, il y a encore la moitié de la moitié. C'est-à-dire que c'est contaminé pour plusieurs générations. Donc, en aquest territori de... tan gran contaminat per el cesi 137, s'avalua que més o menys hi ha 8 o 9 milions de persones, d'habitants, en aquesta zona que es diu Txernòbil Land. El període de vida, el període del cesi 137, que seria la mitja vida, és de 35 anys. O sigui, que d'aquí 10 anys quedarà la meitat de la contaminació al CD137 que ha caigut sobre aquestes zones. I d'aquí 45 anys encara es reduirà la meitat. Ce qui veut dire qu'il faut quand même quelque chose comme, je crois, 140 ans
pour liquider le césium. Maintenant, vous avez vu dans le film la ville de Pripyat, qui était une ville à 2 km de la centrale, qui était une ville de plus de 40 000 habitants. Cette ville a été évacuée complètement parce qu'il y a du plutonium dans le sol. Doncs més o menys se calcula que triga 140 anys a desaparèixer el cesi d'aquesta zona i ara parla de la ciutat que era més a prop del reactor nuclear que es diu Pripyat, que era una ciutat de 40.000 habitants que va ser evacuada totalment i està contaminada al voltant amb plutoni. Plutonium, diferents isotopes de plutonium, le plus rapide c'est 24.000 ans. La mitja vida, el plutoni té diversos isòtops i el que s'extingeix més ràpid té una mitja vida de 24.000 anys. Sí. Ce qui veut dire que la différence entre une catastrophe nucléaire et une autre catastrophe, tsunami, tremblement de terre, tornado, je ne sais pas quoi, la guerre ordinaire, c'est que après toutes les catastrophes, on reconstruit. C'est l'activité permanente de l'homme. On détruit, après on reconstruit. Mais après la catastrophe nucléaire, comme celle de Tchernobyl, et probablement comme celle de Fukushima, on ne peut pas reconstruire. Pripyat est une ville morte pour les au moins 24.000 ans suivants. La diferència entre un accident nuclear i un altre tipus de catàstrofe, com podria ser un tsunami o una guerra, és que l'activitat humana normalment es reprèn i es reconstrueix. I el problema amb un accident nuclear és que no es pot reconstruir perquè queda una zona buida sense activitat i s'ha d'abandonar aquest lloc, com a mínim per 24.000 anys. Pour conclure, pour les gens qui vivent en proximité d'une centrale, c'est déjà une vie dangereuse parce que si jamais, que Dieu vous en préserve, si jamais il y a un accident, simplement vous devrez partir pour toujours, comme les gens qui ont été évacués des environs de Tchernobyl et des environs de Fukushima. Et bien sûr, il ne faut pas aggraver votre cas en permettant qu'il y ait ce cimetière. Parce que la nature aujourd'hui devient de plus en plus imprévisible. Vous êtes dans une zone, même si elle est faiblement sismique, c'est une zone sismique. Il faut savoir que le risque zéro n'existe pas. Per concloure, diu que el fet de viure a prop d'una central nuclear és una vida perillosa i que si passés alguna cosa s'hauria de marxar d'aquí per sempre i ella aconsella que no s'agreugi el problema que vingui aquí un cementiri nuclear i sabem que aquí ja és una zona també sísmica, és teòricament sísmica però ho és i ens veiem que el risc zero no existeix, que no s'hauria de creusar el fet que hi ha ja una central. L'Organització Mundial de la Santé qui ne dit pas la vérité sur les vraies conséquences sanitaires catastrophiques qui sont actuellement dans les territoires de Tchernobyl. Actuellement, la population de Tchernobyl està patint des de fa 25 anys l'ocultació de la veritat de les conseqüències de la tragèdia. I aquesta ocultació de la veritat no només la fan els tres estats afectats, que són Ucraïna, Bielorússia i Rússia, sinó també les agències internacionals, en concret l'Agència Internacional Atòmica i fins i tot també l'Organització Mundial de la Salut, que estan portant una política absolutament criminal pel que fa a les repercussions a nivell de salut de tota la catàstrofe de Tchernobyl. La vérité, par contre, qui
qui est caché par ces instances mondiales, c'est le thème du deuxième documentaire que nous avons essayé de voir, où ce très grand scientifique nous raconte, nous décrit les mécanismes biologiques internes au niveau des cellules de l'organisme qui sont la vraie menace et la vraie cause de la catastrophe sanitaire actuellement à Tchernobyl et qui est déjà commencée à Fukushima. La veritat d'aquesta vida amagada és el que ens ha intentat, però, el que ha explicat, diguéssim, en el segon documental, no? Que és una mica explicar els mecanismes biològics en els canvis que experimenten les cèl·lules, que és, que és aquesta autèntica amenaça a llarg termini del que va passar a Chernobyl i el que segurament està passant ja a Fukushima. Com s'explica aquesta politique de mensonge à des niveaux aussi élevés, au niveau des conférences internationales qui sont organisées sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La pregunta que es fa és com es pot explicar que des de les grans agències a nivell internacional s'estigui portant aquesta política de temeria, tant des de l'Organització Mundial de la Salut com de l'Agència Internacional d'Atòmica. La catastrofe de Tchernobyl a été surtout une catastrophe pour le lobby nucléaire mondial. Leur gros problème, leur grand problème, était de sauver le nucléaire, c'est-à-dire de mentir sur ce que réellement constitue comme menace le nucléaire pour l'humanité. La catàstrofe de Tchernobyl és sobretot una catàstrofe pel lobby nuclear. És a dir, que a partir d'aquell moment ells el que han de fer és intentar convèncer a la gent de que no hi ha un perill i que per tant l'energia nuclear continua sent una aposta. Comment est-ce qu'ils ont opéré? Comment se permet-il dans des conférences internationales de dire les énormités qu'ils disent? Par exemple, ils disent qu'à Tchernobyl, en tout et pour tout, les morts causées par la radioactivité sont moins de 50. Arriben a dir disbarats tan grans com afirmar que la totalitat dels morts ocasionats per la catàstrofe de Tchernobyl són com molt 50. Et une prévision de 4000 cancer mortel prévisible dans le futur. C'est tout. C'est moins qu'un accident au point de vue des morts déjà advenus, c'est moins qu'un accident d'un petit avion, Ryanair, par exemple. Diuen que a part d'aquests 50 morts directes, com a molt una previsió de 4.000 càncers, que evidentment equipararia la dimensió de la catàstrofe al que podria ser un accident d'avió de Ryanair. Alors que un livre vient de sortir à la fin de 2009 pardon, par l'Académie des sciences de New York qui réunit sur 5000 publications en langue russe dans les territoires contaminés par Tchernobyl. Des recherches ont été faites pendant toutes ces années et qui cite dans ce livre 2000 titres. Et le chiffre de morts prévu, calculé à partir de ces recherches, publiées par l'Académie des sciences de New York, c'est 985 000 morts, et non 50. Per contra, a partir d'un llibre publicat per una agència de tecnologia científica de Nova York, basada en 5.000 publicacions fetes a la zona russa, sobre recerques fetes sobre el territori i d'aquestes publicacions citen més de 200 títols. En aquest cas, a partir de totes aquestes recerques, la xifra de morts no seria de 50, sinó de 995.000. 1.000, eh?